Salut à tous, c'est Loïc. On se retrouve ce soir pour écouter le nouveau single de Booba, Félix et Boué. Alors, je sais pas si c'est un extrait du prochain album Nero Nemesis qui sortira le 4 décembre. Je tournerai la vidéo le 4 décembre. Donc, vous pouvez être sûr que ce sera sur ma chaîne. Mais là, du coup, on s'attaque à ce titre-là qui est sorti aujourd'hui à 18h, donc il y a 10 minutes. Le titre a été annoncé cet après-midi sur Instagram via donc le compte officiel de Booba. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Encore une fois, je sais pas si ça va être un single extrait d'album ou juste un single comme ça pour faire kiffer. On sait pas plus. Juste une chose avant qu'on se lance dans les coups du single, vous avez pu remarquer que du coup c'est pas ma caméra d'habitude, c'est parce que j'ai un petit souci matériel, hein, on m'a toujours pas rendu ma carte SD, ce qui fait que je peux pas tourner avec ma caméra. Donc du coup je fais avec les moyens du bord, je tourne avec mon iPhone. C'est parti, on s'écoute ça, Félix et Boué de Booba. Si je me mets à genoux, c'est pour apprendre un coup d'épée. Tu m'as mis un seul coup dans le flou, t'en as pas les poulets. Je vais te prendre seul dans les tests sans aucun souci. Mettez une dizaine à la boutique. Porte-toi avec ma ceinture Gucci. Kobe One Kenon, t'es une blague. Les plus courtes sont les meilleures. Fuck la misère, t'as plus de mineur. Money back ton putain meilleur. Ouais, ouais, ouais. Un peu d'argent du trafic, le dernier plus qu'il était. Numéro 1 dans la street, trop de neige en hiver, j'ai ce qu'il est. Slalom dans leur mer, ouais, nous ça va. Ta carrière au fond de la mer comme Osama. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du single? L'instru est sympa, ça tape bien. Je pense comme beaucoup de singles de Booba, pour l'instant, je kiffe pas plus que ça, mais au fil du temps, je l'écoutais en fond, après je l'écoutais de plus en plus, et je vais vraiment apprécier. Niveau des punchlines, j'ai pas tout en fait pu, du coup, vraiment remarquer. Puis en fait, j'ai juste du coup retenu 2-3 trucs. La première, c'est la référence à la ceinture Gucci. En fait, il me semble que Booba là fait référence à une altercation qu'il a eue, hein, avec Benach et je crois que c'est Sultan, je crois, je sais plus. Honnêtement, je m'en fous, ça fait beaucoup de buzz, hein, sur Instagram, etc. Donc ça, déjà, je pense que c'est une référence à ça. Ensuite, je pense encore des pics à Caris ou Rof, j'en sais rien. Mais à vous de me le dire dans les commentaires. Et après aussi, j'aime bien du coup de la petite allusion à Ben Laden. Hein. Pas mal, franchement, le single est pas mal. C'est pas un truc de ouf, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Nero Nemesis part dans ce style-là? Franchement, si c'est le cas, ça pourrait être pas mal du tout. Après un DUC qui était, encore une fois, désolé si je choque certains d'entre vous, mais moi j'ai trouvé qu'il était nul, vraiment à chier. À part les singles qu'on connaissait déjà, DUC, Temps Mort 2.0, All Set, j'aime de moins en moins. Mais voilà, à part ces trois sons-là qui étaient nouveaux, hein, dans l'album, perso moi j'ai rien aimé. Donc là déjà on entend un Booba qui rappe sans autotune, c'est vraiment des punchlines, c'est vraiment le Booba lunatique, le Booba de futur, ça peut être intéressant, on verra bien. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.